الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله. أما بعد، الله عز وجل في القرآن الكريم سورة المؤمنون: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. سجد يوم القيامة le jour du jugement, le jour de la pesée des amals, la pesée sur el mizan, la balance. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ, ceux dont la balance était légère, pas beaucoup d'amal, pas beaucoup d'amal, ils ont perdu. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, voilà ceux qui auront perdu leurs âmes. Voilà ceux qui auront tout perdu, perdu même leur personne. Fi jahannam khalidun, éternellement ils seront dans jahannam. Le insan aujourd'hui, il voit ce qu'il y a devant ses yeux. Aujourd'hui, le insan, il est capable de regarder derrière qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Mais seul le mu'min est capable de voir ce qui va arriver après Al-Maw. Il le voit parce qu'il le sait, comme s'il était en train de le regarder avec des yeux. Il le regarde avec son ilm et son iman. Un mu'min, il sait que ça va arriver. Un mu'min, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis la promesse al-haq. Demain, il y aura le mizan. Demain, il y aura la pesée des amal. Demain, devant Al-Mizan, les uns auront gagné et les autres auront perdu. Mais c'est demain. Et demain arrive. Et chaque temps qui est promis d'arriver est proche. Même si c'est 1000 ans plus tard, même si c'est 50 000 ans plus tard, ce qui est promis arrivera. Et ce qui est en train d'arriver est tout de même proche. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ, ceux dont la balance sera légère, pas beaucoup de amal. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, voilà ceux qui auront perdu leurs âmes. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, ils seront dans Jahannam pour l'éternité. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Le feu, النار, تلفح وجوههم, brûle, rage leur visage. وهم فيها كالحون, ça veut dire qu'ils seront dans Jahannam, وهم, ils seront en elle, dans Jahannam, كالحون. كالحون, ça veut dire le visage déformé. Déformé parce que brûlé, parce que la chair va être totalement, totalement brûlé. Alam takun ayati tutla alaykum. Allah Ta'ala, il leur dit. Alam takun ayati tutla alaykum. Fakuntum biha tukadhibun. N'est-ce pas mes versets étaient récités devant vous avant par la nuit? Rappelez-vous, n'est-ce pas mes ayat? Alam takun ayati tutla alaykum. Vous avez oublié, n'est-ce pas mes versets, il n'y a pas très longtemps dans la dunya. Mes versets étaient récités devant vous. On récitait le Coran. Fakuntum biha tukadhibun. Et vous, vous traitiez tout cela de mensonger. Vous n'étiez pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils répondent les kafirines dans Jahannam?
غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Ils vont dire, ya notre sort malheureux était plus fort que nous. Dans l'homme, il y a le bien, il y a le mal. Dans l'homme, il y a le penchant pour la charité, le penchant pour l'honnêteté, le penchant pour l'humain, mais il y a aussi le penchant pour le mal. Eux, ils vont dire, hein, nous, le penchant mauvais en nous était beaucoup plus fort que nous. Quelle excuse! Quelle excuse! Lorsque quelqu'un a envie de voler, il vole. Lorsque quelqu'un a envie de corrompre, il corrompt. Pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que mon envie, c'est quelque chose de trop fort. J'arrive pas à résister à mon envie. Ils répondent à Rabbul Alamin, ils disent, oh Rabbana, ghalabat alayna shiqwatuna. Le malheur en nous était plus fort que nous. Et nous étions des gens égarés. Rabbana, akhrijna minha, ya, sors-nous de là. Fa inna ghalimun. Et si jamais on recommence, c'est là que nous sommes injustes. Qala khsaw fiha wa la tukallimun. Allah Ta'ala, il leur dira, soyez humiliés dans Jahannam et ne m'adressez quoi une parole. C'est fini. Le temps de la chance est déjà donné. L'avertisseur a déjà donné son avertissement. Les miracles des Anbiya, le message des Anbiya, les ayats du Coran et des livres célestes, tout ça, vous l'avez déjà vu. La chance, on vous l'a déjà donné. Plus de retour à la dunya. Promesse de Allah, promesse de Allah, elle ne manquera jamais. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله تعالى إلا دي اخسأوا فيها soyez-y humiliés ولا تكلمون. Ne m'adressez plus de demandes, plus de paroles. إنه كان فريق من عبادي. الله تعالى إلا دل ربنا il y avait un groupe de mes عباد يقولون ربنا آمنا. Il y avait, Allah Ta'ala, il leur dit, les kafirin dans Jahannam. Il y avait un groupe de mes ibad. Innahu kana fariqum min ibad. Innahu kana. Il était ce groupe dans la dunya. Rappelez-vous, vous y étiez. Kana fariqum min ibadi. Un groupe de mes ibad, de mes bandes, de mes créatures, de mes serviteurs. Yaqulun, il disait dans la dunya, Rabbana amanna. Ya Rabb, nous sommes mu'minis. Nous croyons. فاغفر لنا وارحمنا. Pardonne-nous, ya Allah. Donne-nous ta rahma, ya Allah. وأنت خير الراحمين. Et c'est toi le meilleur de tous les miséricordieux, ya Allah. فاتخذتموهم سخريا. Et ces mu'minin-là, qui s'adressaient à moi dans leur ibadah et leur dua, et ils me disaient, ya Rabb, nous sommes mu'minin. Donne-nous ton pardon, ya Rabb, et ta rahma, ya Rabb. Qu'est-ce que vous avez fait avec cela? Vous vous étiez comporté de façon odieuse avec eux. Vous les aviez humiliés. Tellement vous étiez occupé à les humilier, vous avez complètement oublié de faire l'ibada pour moi et de m'invoquer et de me prier. Hatta ansakum dhikri. Wa kuntum minhum tadhakun. Et vous étiez en train de rire d'eux. Vous moquez d'eux. Inni jazaytuhum al-yawm. Et bien ce groupe-là que vous étiez dans la dunya en train d'humilier, de qui vous étiez en train de rire et de vous moquer, إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Eh bien, aujourd'hui, je les ai récompensés. Parce qu'ils faisaient sabr, parce qu'ils étaient patients, parce qu'ils étaient des mu'mines patients.
est resté fidèle, est resté honnête, est resté tranquille. Il se préservait de l'haram. Ils font sabr. Inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru. Alors je les ai récompensés aujourd'hui. Parce qu'ils faisaient sabr. Annahum humul faizun. En leur donnant à eux qu'ils sont eux qui ont gagné et qui ont triomphé. Qui triomphe? Celui qui a frappé, qui triomphe? Celui qui a ri, qui s'est moqué, qui triomphe? Celui qui triomphe, c'est celui qui a fait sabr. Et qui est resté plus fort que le haram, plus fort que Al-Nafs, plus fort que les mauvais penchants qui vont les jeter dans Jahannam, qui vont jeter les kafirs dans Jahannam. Ceux-là qui ont été gagnés par Shikwa, par leur malheur et par le mauvais penchant qu'ils ont en eux. C'est celui-ci qui a perdu. Aujourd'hui, le insan, il calcule avec la force de son bras. Aujourd'hui, le insan, il calcule avec ses stratagèmes et avec ses amis. Il calcule parce qu'il se sent fort dans un bastion quelconque. Mais celui qui est gagnant, ce n'est pas celui-ci. Le gagnant est celui qui a fait le sabr. Et celui qui a fait le sabr, lui, il regarde différemment. Celui qui le regarde de son poids, celui qui le regarde de son stratagème et son intelligence et ses plans, il regarde à court terme. Et celui qui regarde avec sabr et iman, lui, il est capable de regarder au-delà de la blessure, au-delà de la plaie, au-delà du sang, au-delà des rires et des moqueries des autres, parce que lui, il est en train de regarder la promesse d'Allah Azza wa Jalla. Il se voit déjà gagnant. Il se voit déjà dans la triomphe. Parce que lui, sa lutte à lui, c'est la lutte que lui impose Al-Iman. Al-Iman lui demande quoi? De rester juste, de rester honnête, de rester fidèle à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, il sait ce qu'Allah Ta'ala a promis à ceux qui font sabr. Inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru. Aujourd'hui, je les récompense par le fait qu'ils ont fait sabr. Annahum humul faizun. Que ils sont eux les gagnants. Ce sont eux qui ont eu la victoire. Ce sont eux qui ont eu la triomphe, le triomphe. Voilà donc le sort, la récompense réservée à un mu'min qui fait le sabr. Ceux-là qui subissent sur leur chemin de la vie, tyrannie, raillerie, moquerie, mais ils restent fidèles à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Leur lutte à eux, c'est de ne pas tomber dans les pièges de Shaitan, et ils gagnent parce qu'ils font sabr. Le sabr, c'est patienter malgré les pressions, patienter malgré les difficultés et les peines. Il ne s'agit que d'une pente à dépasser, à franchir. Cette pente, elle est parfois en pic, tellement elle est pénible. Mais c'est une difficulté pour le corps, une difficulté passagère. Aussitôt la pente traversée, c'est la félicité et le savoir éternel. Il s'agit d'un petit passage. Et plus le iman est fort, plus ce passage, on le ridiculise. On n'en tient pas compte comme si c'était rien, absolument rien, en comparaison avec la promesse de Allah Ta'ala tellement grande et tellement on la voit avec son iman proche, tellement proche, on a l'impression qu'on est en train de la contempler à deux doigts et on peut la toucher. Qu'est-ce qui nous reste à traverser cette pente? La peine, la difficulté. On use de quoi pour traverser? De sabr. Et celui qui use de sabr pour traverser la pente, il est gagnant. C'est celui-là qui a triomphé. Même
un cadavre peut-être. Lui, il est en train de rire. Il est en train de se sentir fort et gagnant. En réalité, il n'est pas tout à fait satisfait. Parce que face à lui, il y a un mu'min qui est en train de se faire frapper, se faire torturer, mais il a toujours un regard de quelqu'un qui triomphe. Et lui aussi, il entend le meurtrier, le tueur, le kafir en train de crier victoire, et celui qui est en train de se faire frapper, tuer, humilier, lui aussi il crie victoire. Le kafir ne comprend pas. Le kafir, il ne comprend pas parce qu'il ne regarde qu'avec ses deux yeux-là, et le mu'min, il regarde avec les yeux et avec son cœur. Et avec son cœur et son iman, il voit au-delà de la plaie, au-delà de la blessure, et il voit la promesse de Rabbul Alamin. Et il se voit victorieux, il crie lui aussi victoire. L'année 4 de l'Égypte, le mois de Safar exactement, il y avait des mouchriquins qui sont venus demander à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer avec eux, dans leur tribu du côté de Najd, l'est de l'Arabie, des sahaba kiram, ulama, pour enseigner à dire. Il y avait des gens qui sont venus voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il les a invités à l'islam. Ils n'ont pas refusé totalement. Ils sont hésitants. Et leur dit à Rasulallah, tu peux quand même nous envoyer dans notre région des nouvelles, des da'i in Allah, des prêcheurs, des enseignants de din. Lorsqu'ils vont enseigner din, nous pensons que beaucoup vont les écouter. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi pour cette tâche 70 parmi les sahaba kiram. 70 parmi les meilleurs des sahaba. 70 qu'on appelait les Qurra. Qurra, ça veut dire qui hafizou le Coran, qui mufassir le Coran. La nuit, ils se rassemblaient, ils travaillaient ensemble la révision du Coran et des lois du Coran. Et le matin, ceux qui sont encore forts, capables, pas trop fatigués, ils travaillaient quand même, ils ramassaient du bois, ils le revendaient. Ils achetaient des choses et ils distribuaient aux pauvres avant d'aller se reposer. Toute la nuit, qira'at al-Qur'an, ibada, apprentissage, al-Din, et le matin c'était comme ça. Et ils offraient de ce qu'ils gagnaient à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ne pas le déranger, ils accrochaient ça devant les qura'at al-Ummahat al-Mu'minin. Voilà les qura'at. Un groupe de 70 parmi les meilleurs des Sahaba kiram, choisis pour cette tâche honorable, enseigner à dire, le tablir de dire, il les envoie. Ils partent du côté de Najd, mais sur leur chemin. Normalement, ils avaient la garantie de la sécurité, ces Sahaba. Parce que les tribus qui les avaient invités, ils ont donné leur parole qu'eux-mêmes, ils les prennent sous leur protection. Normalement, personne ne pouvait oser, ne devait oser s'opposer à eux. Mais finalement, il y avait des gens cafres, méchants, sur leur chemin, et ils les ont attaqués. Et ils se sont rassemblés trois tribus guerriers, les guerriers de trois tribus, pour les encercler et pour les attaquer en grand nombre et en grande force, et pour les décimer, pour les massacrer tous. Sur les 70, il y avait un seul survivant. Un seul survivant. Il était blessé gravement. Mais quand même, Allah Ta'ala lui a donné la vie sauve. 70 à peu près massacrés de cette façon-là, avec tritrice. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la nouvelle par Sayyidina Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, il lui dit: le groupe des 70 que tu as envoyé à Bir Maroun, il t'adresse à salam, ya Rasulallah. Il te dit, ya Rasulallah, nous avons été à l'encontre de la promesse de Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala, il nous a accepté et nous avons été satisfaits de Allah Azza wa Jal. Ils se font tuer, mais ils disent qu'ils
sont eux-mêmes les gagnants. Ils se font massacrer, trahis, mais ils crient fort, nous avons gagné. Ils adressent un message à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, Ya Allah, akhbir nabiyak, informe ton nabi que nous avons rencontré sa promesse et qu'Allah Ta'ala, il nous a montré ce qu'il nous a promis. Nous avons été satisfaits et lui-même, il nous a agréé. Parmi ces sahaba kiram, il y en avait un qui était le porteur de message. Le message de Rasulullah qui dit qu'ils ont la garantie de la sécurité. Cet homme s'appelait Haram ibn Milhan. Haram ibn Milhan, grand parmi les grands. Sa sœur à lui, c'est Sayyida Umm Sulaym, la maman de Sayyidina Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Donc c'est le mamoun de Sayyidina Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Haram ibn Milhan, il avait le message de Rasulullah. Il vient pour parler avec le chef de la tribu, lui dit Rasulullah, il a la garantie des chefs des tribus. Donc, laissez-nous passer. Il vient pour lui parler, mais le kafir, il ne voulait rien voir. Il ne voulait pas lire. Il ne voulait rien savoir. Il fait un signal à un criminel derrière, en lui disant tue-le. Il vient et il le tue par derrière. À Sayyidina Haram ibn Milhan. Il lui donne un coup fort avec sa lance, dans le dos, entre les épaules, tellement fort que la lance transperce Sayyidina Haram et sort de la poitrine. Sayyidina Haram, frappé par surprise. Vous imaginez lorsqu'on reçoit un coup aussi terrible, il est où la douleur? Il est où le choc et la surprise du choc? Et le choc de la surprise. Il voit la lance sortir de sa poitrine. Et il voit le sang commencer à gicler. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas crié aïe. Il n'a pas crié douleur. Il a pris le sang. Il était en sourire. Il le jette sur son visage et sur la tête. Il dit Alhamdulillah, fustu wa rabbil Ka'ba, j'ai gagné. Je le jure par le Seigneur de la Ka'ba. Le tueur derrière, il était choqué. Il vient de tuer un homme. Il vient de frapper un homme par derrière. L'homme tué, il crie victoire. Il dit, mais alors qui est le victorieux? Je l'ai tué, oui ou non? C'est moi qui l'ai frappé, oui ou non? Je l'ai tué, et c'est lui qui crie victoire. Il dit qu'il a gagné, mais qu'a-t-il gagné? Il y en a un qui lui a dit, mais il gagne le martyr. C'est un mu'min. Tellement il a réfléchi à cela. Le tueur, lui-même, un jour, il s'est converti à l'islam. C'est parce qu'il y a son. C'est parce qu'il y a l'image. Et c'est parce qu'il ne regarde pas. Tout simplement avec les yeux de la tête, il regarde avec son iman et il est capable de voir derrière. Derrière les plaies, derrière la peine et la difficulté physique, il est capable de voir la victoire qu'Allah Ta'ala lui a promise, comme s'il était en train de la contempler, à deux doigts de la toucher, et lui-même aussi il crie victoire. Le kafir qui frappe, qui humilie, l'injuste qui est en train de se moquer, il crie victoire. Mais le mu'min qui patiente, lui aussi, il crie victoire. Ses yeux brillent toujours, parce qu'il est habité par l'iman. Chose que ne comprend que celui qui est mu'min et qui a le sabr, et qui sent le plaisir dans la souffrance de son corps tant qu'il est dans l'ibada d'Allah Azza wa Jal. Lorsque l'homme, il sent la détresse, lorsque l'homme, il désespère de la vie, lorsque l'homme, il critique même Rabbul Alamin pour un sou perdu, lui, il est en train de remercier Rabbul Alamin pour le privilège qu'il lui donne, parce qu'Allah Ta'ala, il a promis cela aux sabirin, et lui, il cherche à en faire partie. Lorsque Pharaon a amené devant Sayyidina Moussa, il a amassé des centaines de magiciens. Les magiciens, à
avec leur corps, ils trompent les yeux des gens. Juste une tromperie. Juste une tromperie passagère. Sayyidina Moussa alayhi salam, il leur lance son bâton. Son bâton est réel. Le bâton, il se transforme en serpent géant réel. Il avale leur fausseté toute entière avec la parole d'Allah Azza wa Jal, avec la promesse d'Allah Azza wa Jal. Les magiciens, ils s'y connaissent. Ils savent que ce n'est pas de la magie. Ils ont cru. Ils ont clamé leur iman. Pharaon, il leur a dit, vous avez cru en lui alors que je ne vous ai pas donné la promesse, la permission. Je vais vous torturer. Je vais vous découper les mains et les pieds d'une part et d'autre. Je vais vous crucifier sur les palmiers et je vais vous exécuter en public. Pharaon, lui, il est fort. Mais il est fort jusqu'à combien de temps? Il est fort, mais jusqu'à quelle limite? Il pensait qu'avec la torture et avec la menace, pouvoir donner la peur et la frayeur dans le cœur de ces mouminines. Mais ces mouminines ont déjà changé. Ils étaient kafirines et ils craignaient la pauvreté. Ils sont maintenant mouminines, ils ne craignent que le châtiment d'Allah. Ils étaient des kafirines, ils avaient peur de Pharaon et de la vie et des serpents. Là maintenant, ils ont peur de Jahannam. Là maintenant, leur objectif a totalement changé. Leur objectif, c'est le bâti. Ce qu'ils veulent préserver, leur priorité, c'est leur iman. Et le moyen dont ils disposent, c'est plus de la magie. Ce n'est plus les stratagèmes de la vie. C'est uniquement le sabr. Avec sabr, ils gagneront. Et alors, Pharaon qui ne comprend pas, il menace toujours. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض لن نؤثرك. Nous n'allons pas te préférer toi à toutes les preuves al-bayyinat qui nous sont parvenues. والذي فطرنا. Nous n'allons pas te préférer toi à celui qui nous a créé. فاقض ما انت قاض. Fais ce que tu veux. Tu menaces, menace. Tu frappes. Tu veux tuer? Tu! Faqdi man taqa. Innama faqdi hadihi al-hayat ad-dunya. Tout ce que tu peux, c'est dans cette vie seulement. Encore 7 minutes, encore 10 minutes, encore un jour, c'est tout ce que tu peux faire. Pas plus. Nous croyons en Rabbul Alamin et nous n'avons pas peur de tes 5 minutes et de ta peine que tu vas infliger à notre corps. Lorsque quelqu'un use du iman et du sabr, il est capable de voir ce que l'ignorant ne voit pas. Celui qui voit, il voit avec sa clairvoyance, et la clairvoyance, c'est avec l'iman. Et celui qui voit avec l'iman, il voit très loin. Wallahu subhanahu wa ta'ala.